Salut à tous les pêcheurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo session de 48 heures à Emerald Carp, une gravière splendide avec un cheptel de fou. Pour cette session, je pars avec Alain, un autre membre de la team poulet, en espérant toucher du beau poisson et réaliser une superbe session. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bon, ça y est les potes, nous sommes arrivés. Donc super étang, franchement c'est magnifique. L'eau est vraiment très très claire. Donc là, avant de tendre les lignes, on va commencer par faire un beau repérage. Parce que comme je vous dis, on voit vraiment le fond sur tous les bordures. Donc on va aller faire un beau repérage. Puis après on va voir si, sur quel endroit on pêche. Mais t'as des très hauts potentiels avec des belles trouées au niveau des bordures. Donc à voir. Allez, à tout de suite. Pour mon amorçage, ce sera du maïs, des billes broyées, des billes entières, du baby corn et du pelé gras de différentes tailles. Tout ça nappé avec un peu de dip. Lors de notre première soirée, l'activité était incroyable. Les poissons n'arrêtaient pas de sauter et de fouiller. Tout ça présageait quelque chose de vraiment top pour cette première nuit. Je vous laisse un petit peu observer tous ces petits sauts avec un fond de musique. Donc ça y est les amis, la première nuit est passée et malheureusement pour nous deux, aucun poisson mis au sec. Donc voilà, ça fout un peu les boules, mais tant pis. On croise les doigts pour aujourd'hui et demain. Et j'ai eu une belle tirette cette nuit vers minuit. Et comme je pêche frein serré quasiment à fond, parce que je pêche à ras des branches, clairement je pêche toute ma bordure en fait, si vous voyez ici, toute ma bordure avec beaucoup de branches dans l'eau, tout ça. Voilà, c'est comme ça que je pêche souvent. Et donc bah, frein serré. Et hier, donc comme je vous dis, vers minuit, une belle tirette, voilà, l'écureuil est monté. Ça a levé un peu le back lead. Je prends contact, pour moi c'est touche. Voilà, au moindre bip quasiment c'est touche hein. Et malheureusement rien, pas un poisson, pas de poire, rien du tout. Donc je pense qu'elle s'est mal piquée. Tant pis. On croise les doigts pour la suite. Au niveau de donc, mon amorçage, comme vous avez vu hein, je suis parti sur quelque chose de vraiment léger à base de beaucoup de particules. Voilà, billes broyées, billes coupées un petit peu en deux, pelées de différentes tailles, du baby corn, du booster, voilà, pour amener un peu d'attractivité, et du maïs. Donc voilà, un amorçage assez simple, très léger, l'équivalent d'une pelle par canne, et un petit stick, voilà, pour toujours assurer
Mon hameçon d'être pêchant. Voilà, je procède, pardon, toujours comme ça. Voilà, je vous conseille de le faire, même un tout petit stick, hein, de rien du tout, une petite boule ou quoi, mais au moins voilà, vous protégez toujours votre hameçon et vous êtes sûr qu'il est pêchant. Donc voilà, au niveau de ma première canne à gauche, je suis parti sur trois faux maïs. Voilà, c'est là que je fais mon petit départ. Voilà, comme d'habitude, un maïs, un valeur sûre, donc on croise les doigts, je laisse toujours une canne au maïs. Hein. Donc voilà, faux maïs légèrement décollé. Au niveau de ma canne du milieu, c'est un spinner rig, voilà, qui pêche donc vraiment en dessous des branches. Là, c'est, je les ai, voilà, j'ai deux branches, j'ai une branche qui tombe comme ça et l'autre un peu de l'autre sens, et je suis vraiment en dessous en fait. Voilà, c'est plat, donc je me suis mis juste en dessous, donc très risqué bien sûr de pêcher dans les obstacles comme ça, mais voilà, c'est ma pêche, donc je m'y tiens. Donc voilà, un spinner rig donc sur un bonhomme de neige, d'une bouillette boostée à l'orange et d'une essentielle IB de chez Manline. Et ma dernière canne, c'est un blowback, voilà, tout simplement, avec un petit wafter Scopex Squid. Voilà, au début j'étais parti sur une Spicy Crab avec un faux maïs, ça n'a rien donné. Donc voilà, là je pars sur un petit wafter, on verra bien, légèrement décollé. Donc voilà, allez, j'espère vraiment vous revoir très vite avec un super poisson, parce que dans cet étang, c'est juste magnifique les poissons qu'il y a. Allez, à tout à l'heure. Le temps aura radicalement changé. Nous sommes passés du beau temps à quasiment aucun vent, à une pluie battante. Peut-être que ça va réveiller la curiosité des poissons et leur appétit. On croise les doigts. La nuit aura été très calme. Malheureusement, pas une seule touche. Bon, ça m'aura au moins permis de me reposer. Donc voilà, ça y est, fin de session, et malheureusement pour nous, bah, c'est voilà, c'est le capot. Donc voilà, c'est comme ça, il y avait tout pour faire de belles choses, mais du coup bah, sans résultat en fait, hein, tout simplement. Il n'y a qu'un poste réellement qui a pêché dans tous les temps. Donc plan d'eau un petit peu sur off quoi, les poissons n'avaient peut-être pas forcément envie de se nourrir. Pourtant énormément d'activité, donc on avait vraiment espoir. Surtout quand on voit le cheptel qu'il y a dedans, ça donne trop envie de faire du fish, mais voilà, du coup pas de poisson pour nous, on reviendra certainement. C'est quand même vraiment très beau et bah, y a matière à faire, hein, comme je vous dis. Donc écoutez, moi je vais vous laisser sur quelques petites images encore du plan d'eau et moi je vous dis à la prochaine et surtout allez à la pêche. Allez, ciao!